Je dois excuser le conseiller départemental Michel Lajugy, qui fait ses vœux chez lui à Saint-Genis. Le maire de Terrasson, mais qui est représenté. Il y a le maire de Côte-au-Père-au-Bourdin, qui est représenté aussi. Le maire de Combat, qui est l'Assemblée, qui est représenté. Donc, madame la vice-présidente du conseil départemental chargée de la culture. Donc, j'anticipe monsieur le président de la communauté de communes du Terrassonnais, il va arriver. Mesdames et messieurs les maires et leurs représentants, madame la présidente de l'association interprofessionnelle du territoire, il va arriver. Monsieur le directeur général des services de l'Interco et ses collaborateurs, mesdames et messieurs les responsables des administrations, messieurs les représentants de la gendarmerie, sapeurs-pompiers, je vois personne, mesdames, messieurs les élus, ainsi que le conseil des jeunes, la relève est là, ils sont plus importants que les juniors d'ailleurs, que les seniors. Hein. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, agriculteurs, mesdames, messieurs les enseignants, mesdames, messieurs les présidents d'associations, pardon, mesdames et messieurs, chers Tazayakouins, c'est avec une grande joie que les élus du conseil municipal et moi-même, nous vous retrouvons pour cette cérémonie des vœux. Votre présence, nombreuse, chaleureuse, me touche vraiment. Je tiens à vous remercier pour votre témoignage d'amitié et d'attachement. Il existe des traditions qui nous lient, et celle-ci en est une, car elle nous permet de penser à nos proches et aux personnes que nous aimons, et en ce début d'année, de nous souhaiter le meilleur. Au nom de l'équipe municipale et en mon nom personnel, permettez-moi de vous adresser à chacune et chacun d'entre vous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2024 vous apporte d'abord une excellente santé pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Que cette année qui commence vous procure la joie dans l'accomplissement de vos vœux ainsi que dans la réalisation de vos projets et de vos rêves. Je n'oublie pas ceux qui nous ont quittés ou qui souffrent et pour lesquels nous avons une pensée particulière. Il y a un mois, comme beaucoup d'entre nous, j'étais en famille et j'ai encore en mémoire ces moments de partage et de bonheur commun où l'on peut observer l'attente, la surprise, le plaisir dans les yeux des enfants. Et j'ai bien du mal aujourd'hui à me replonger dans la réalité du monde qui nous entoure. La guerre en Ukraine s'enlise dans un hiver meurtrier et gangrène les rapports de force internationaux. Le conflit israélo-palestinien qui renaît fracture le monde en deux camps qui paraissent à présent irréconciliables. La tension qui monte au Yémen avec les attaques des rebelles houthis qui visent le trafic maritime, obligeant de nombreux armateurs à délaisser le couloir de la mer Rouge, provoquant inévitablement une hausse des coûts et du temps de transport. Ainsi que les nombreuses difficultés que nous rencontrons aujourd'hui pour exercer notre mandat d'élu de proximité face à un État qui impose, qui dispose, un État sourd, un État qui sait mieux que nous comment vivent nos concitoyens. Chaque année, l'État invente de nouveaux plans. La mise en œuvre est déléguée à nos collectivités, sans allouer de nouveaux moyens, au risque d'alimenter toujours plus la défiance populaire. Chaque année, l'État fait le choix de restreindre l'autonomie financière et fiscale des collectivités. Nationalisation de la taxe d'habitation et de la CDAE, suppression des dispositifs de soutien contre la crise de l'énergie. Toutes ces mesures
s'ajoutant à l'augmentation tendancielle des charges, resserre un peu plus le garrot budgétaire imposé à nos communes. Progressivement, nous perdons le contrôle des recettes et bientôt celui de l'affectation de nos dépenses. Je pense sincèrement que nos dirigeants ont dû être satellisés. Selon moi, ils sont beaucoup plus près de Mars que de la Terre. Quant à nos parlementaires, ils doivent être victimes d'une sexo-bashing. La transition écologique semble devenue un prétexte commode pour justifier le ZAN. Zéro artificialisation nette. Car sous couvert de lutter contre l'artificialisation des sols, les maires se voient privés de leur capacité à développer leur commune. Le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, est en cours d'élaboration sur les 37 communes. Les zones constructibles vont être analysées et revues à l'échelle de l'intercommunalité. Il faut donc s'attendre à une diminution assez conséquente des zones constructibles. Attention de ne pas trop attendre si vous avez pour projet de vendre un terrain ou de construire une habitation neuve. Le futur PLUI viendra aussi identifier les bâtiments ayant un intérêt patrimonial et architectural situés en zone agricole, pouvant faire l'objet d'un changement de destination, rénovation en habitation, en gîte, etc. Trois critères sont à respecter. Il doit s'agir d'un bâtiment agricole, étable, grange, sous un cochon. Ce bâtiment devra avoir un intérêt patrimonial, bâti en pierre ou en terre-pierre. Le bâtiment ne doit pas être ruiné, pas comme nous. Il doit rester l'ensemble des murs. Pardon. En l'absence de repérage du bâtiment au PMI, il sera impossible d'entreprendre des travaux pour changer sa destination. Aussi, si vous êtes concerné, adressez dès maintenant une demande écrite par courrier ou email en mairie, car le travail de repérage et d'identification de ces bâtiments sur le plan graphique du PMI doit être achevé avant le 31 juillet 2024. À partir de cette année, il sera obligatoire de séparer les biodéchets des ordures ménagères. Mais dans l'attente des directives du CERPOL, vous pouvez continuer à utiliser le bac noir ou conteneur OMR des ordures ménagères résiduelles. Voici la liste de quelques projets que nous avons réalisés en 2023. La voirie, pour un montant de 79 914, pour ne pas dire 80 000. Concours de maison fleurie. J'en profite pour féliciter les participants et remercier le jury. La fibre optique est en place. Les opérateurs peuvent raccorder les foyers qui le souhaitent. Malheureusement, il reste encore certaines habitations non raccordables à ce jour. La réfection des cours du groupe scolaire avec apport végétal pour un montant de 28 860 euros. Une subvention a été accordée et versée par le conseil départemental au titre du fonds d'équipement des communes, le FEC, pour un montant de 5 772 euros. La sonorisation de la salle des fêtes, même s'il y a encore à redire, pour un montant de 8 178,46 €. L'adoption du schéma communal de défense extérieure contre l'incendie. Les travaux sont planifiés sur 15 ans. Le coût estimatif, c'est 33 700 euros. On a une aide aussi du conseil communautaire. Je voudrais vous faire part également des travaux prévus en 2024. L'effacement des réseaux SAC, rue du 11 novembre jusqu'à la rue de la Treille. Un seul bémol, a priori, la fibre restera aérienne. La création d'un cististade sur l'ancien terrain de jeu, derrière l'école maternelle, juste derrière nous. Nous sommes toujours à la recherche de subventions. Alors, c'est une demande des conseils des jeunes qui sont ici. Les travaux de voirie, le montant sera défini, bien sûr, en fonction du budget.
la mise en place d'un poste d'incendie entre Manéron et Le Fraisse, en bordure de 89, au lieu de Maisonneuve. La rénovation de la bascule publique, travaux effectués par nos agents, les travaux ont commencé. Je remercie M. le directeur et son équipe enseignante, pour qui la transmission du savoir reste une priorité. L'éducation, c'est aussi de la culture. C'est pour cette raison que nous avons fait nôtre cette citation d'Albert Camus, « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. » Je remercie les animateurs et les responsables de la vie associative qui permettent de tisser des liens entre les adhérents de tous les âges. Je remercie également tous les acteurs de la vie économique et agricole. S'inscrire dans l'avenir, c'est rechercher une nouvelle forme de solidarité, de collaboration et de complémentarité. L'intercommunalité, c'est le rassemblement de communes qui affirment leur communauté de destin et déclarent être chacune responsable de toutes. Nos communes sont bien conscientes qu'à présent, ces politiques de services publics ne peuvent se développer qu'à une échelle mutualisée ou communautaire. L'idée est de faire mieux ensemble pour répondre plus efficacement aux besoins de nos concitoyens de façon plus équilibrée sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, dans le respect de notre identité et de notre histoire. Cette nouvelle approche est devenue nécessaire pour assurer la gestion de sa propre commune. Je tiens à remercier mes adjoints, les élus, ainsi que les membres de leur famille. Sans doute est-il nécessaire d'avoir exercé ses responsabilités pour comprendre l'importance des obligations, des réunions et des inquiétudes inhérentes au service aux autres. Avec de plus en plus de contraintes réglementaires, juridiques et administratives, ils doivent répondre rapidement et de manière appropriée aux différentes sollicitations. Merci aux agents communaux. Je tiens à souligner le travail qu'ils effectuent avec dévouement tout au long de l'année. Une mention spéciale pour Stéphanie, notre secrétaire, qui, malgré toutes ses compétences et son professionnalisme, doit me supporter quotidiennement. Je salue également les nouveaux habitants de la commune. Soyez les bienvenus chez nous. Pazayac, c'est vous, c'est nous, dans nos différences, dans nos sensibilités, dans nos parcours, dans nos projets, dans nos énergies, qui concourent à former cette commune attrayante et attachante. Léon Tolstoï écrivait « Tous les hommes font la même erreur de s'imaginer que le bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent. » Avant de conclure, je voudrais avoir une pensée pour les 105 salariés qui ont malheureusement reçu comme cadeau de fin d'année. Leur lettre de licenciement. Notre commune est également touchée par ce tsunami industriel. Un soutien apporté aux agriculteurs aussi, qui veulent simplement vivre de leur travail. Et je terminerai en disant en ce début d'année 2024, je forme des vœux pour tous les Pazayacois, qu'ils soient en activité ou en retraite. Des vœux de solidarité, de santé, de travail et de petits bonheurs au quotidien dans un monde aujourd'hui exigeant, où l'on veut toujours plus et où la contestation est devenue systématique. Que le nouvel an qui se dévoile sur la route de vos projets permette au soleil de se mêler aux étoiles pour que tous vos vœux formulés deviennent réalité. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs les
conseillers municipaux, mesdames et messieurs les conseillers du conseil municipal des jeunes, c'est un plaisir de vous voir là, même si on sent bien que vous êtes un petit peu impatient, mais on est vraiment très heureux de voir la relève à Pazagnac. Mesdames et messieurs, les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs, plus généralement Escalité, mesdames et messieurs. Donc, merci monsieur le maire pour cette invitation. Et donc, c'est janvier qui se termine. C'est encore l'occasion donc de vous présenter des vœux. Mes voeux au nom du conseil départemental, mais aussi de mon collègue Michel Lajugy, qui présente ses voeux, comme l'a dit monsieur le maire, en ce moment. Et j'en profite pour vous demander de bien vouloir m'excuser, parce qu'à la fin de ce discours, de cette prise de parole, je vous abandonnerai pour aller effectivement sur sa cérémonie de vœux. C'est notre lot un petit peu à tous. Conseillers départementaux de faire un point d'honneur d'aller sur toutes les cérémonies que donnent les maires dans leur commune, parce que c'est un moment très important où on peut y rencontrer et où on peut discuter avec nos concitoyens. Pour revenir un petit peu sur monsieur le maire en a parlé, nous traversons donc un contexte national et international et national difficile. Je ne m'étendrai pas plus sur le conflit en Ukraine, le Proche-Orient, l'instabilité géopolitique de notre monde qui est très très anxiogène et qui fait qu'on est très très inquiet, nous tous, du monde que l'on va laisser à nos enfants et de ce que sera fait demain. Vous dire également... une instabilité, un contexte également national. Monsieur le maire a parlé de la situation de Gamba et a une pensée très forte à tous ceux qui ont reçu cette lettre juste avant Noël et sur la situation plus locale de l'emploi sur notre bassin qui effectivement est très problématique. Je voudrais également aussi vous parler de ce que l'on appelle un mot peut-être quelquefois un peu incompréhensible, de la recentralisation de l'État. Tout simplement, monsieur le maire a parlé effectivement de toutes les misères, entre guillemets, que l'État nous fait au niveau des collectivités territoriales. Et le département n'échappe pas effectivement à toutes ces problématiques. Recentralisation de l'État, c'est tout simplement un transfert des charges par l'État qui n'est pas compensé en termes de subventions. Tout simplement, toutes les charges sociales que l'État confie au département ne sont pas compensées totalement. Et c'est presque plus de 50 millions tous les ans qui ne sont pas remboursés par l'État par rapport aux dépenses du département et qui fragilisent notre budget et nos dépenses. C'est également une levée d'impôts qui n'est plus possible maintenant pour les départements, donc il n'y a plus de rentrée d'argent notre budget. C'est la baisse, ce qu'on appelle des DMTO, c'est-à-dire de toutes les taxes qui reviennent en partie au département, les taxes qui sont sur les achats et les ventes des maisons, qui ont été exponentielles pendant les années Covid, mais qui maintenant reviennent à un niveau d'avant Covid et qui baissent. Et donc, c'est un manque à gagner, effectivement, sur les recettes du département. Et c'est l'explosion des dépenses sociales. Comme vous le savez, la Dordogne, c'est le troisième département le plus âgé de France. Et donc, effectivement, le département prenant en charge toutes ces dépenses-là, il y a une explosion de ces dépenses. Donc, c'est malgré tout ça, et c'est un appel aussi à l'État, de tous les départements, hein, de droite ou de gauche, un appel à l'État sur cette fragilisation des départements. La Première ministre nous avait annoncé au Congrès
des départements de France à Strasbourg au mois de novembre dernier que le département ne disparaissait pas parce qu'on a besoin de cette espion de proximité, etc. Mais en quelque part, force fixée. Donc c'est aussi une certaine disparition. Donc c'est vraiment un appel à l'État de la part de tous les départements, de droite, de gauche, de toute la France, donc de prendre en charge, de prendre en compte toutes ces revendications, parce que ça fragilise notre budget, et que pour 2024, et encore plus pour 2025, nous savons qu'il va falloir effectivement trouver des marges d'économie de plus en plus importantes, comme toutes les collectivités. Alors bien sûr, je n'ai même pas parlé non plus de l'inflation et de l'explosion du prix de l'énergie, mais ça, ça vous touche aussi de grandement, et je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Voilà ce que je voulais vraiment vous dire, mais à côté de ça, le département est toujours à vos côtés pour préparer l'avenir. Donc toujours en matière de solidarité, vous savez que la compétence essentielle du département, ce sont les solidarités. Alors, plutôt que de faire de grands discours, 3-4 chiffres. La solidarité au niveau du département pour les dépenses sociales, c'est 100 sur un budget annuel, c'est 101 millions pour le pôle de personnes âgées. C'est 15 000 personnes à qui on verse une subvention, une allocation d'appart pour l'autonomie. C'est 85 millions d'aides sociales à l'enfance, 1700 enfants confiés au conseil départemental, plus 113% en 10 ans. Ces enfants, ils sont confiés par le juge à des familles sous le contrôle et sur la responsabilité du département. Et là aussi, on voit bien que les années Covid ont marqué des problématiques très fortes et qu'il y a vraiment des problèmes de misère sociale de plus en plus importante dans notre pays. 67 millions 9 pour le pôle insertion. 9300 allocataires comme ça, et non, exactement en fin 2023, et en janvier, nous sommes déjà à 10 569 allocataires de RSA, et 57 millions pour le plan handicap. Voilà ce que c'est que la solidarité au niveau du département. Donc la solidarité, c'est également en matière d'excellence environnementale. Jeudi dernier, dans les collèges, dans le collège de Terrasson, nous avons distribué un trophée EcoCert d'excellence environnementale pour la cantine du collège. Et donc, nous avons fait le vœu au début de mandat de porter cette excellence environnementale sur des menus bio locaux sur tous les collèges. En ce moment, donc Terrasson était le 12e qui avait la labellisation EcoCert, et nous espérons bien que jusqu'à la fin du mandat, nous arriverons à tous les collèges. L'environnement, c'est également la solidarité, l'environnement, la solidarité, c'est l'accompagnement des communes et des intercommunalités. Donc nous continuons de soutenir, notamment dans les contrats communaux et territoriaux, mais aussi des plans spécifiques, comme le plan piscine, schéma des vélos, routes et des voies vertes, des maisons de santé, et à travers l'ingénierie de l'ACB et du CNE. C'est également, et j'en terminerai peut-être aussi, et j'ai oublié de parler de la fibre puisqu'elle est arrivée à Pazaillac, ça y est, même s'il y a encore quelques petites choses à réajuster, quelques petits réajustements, ça avance en matière donc de développement des territoires ruraux. Je voudrais également, donc pour en terminer, parler donc d'une solidarité et d'une action soutenue en faveur de l'accès à la culture, au sport pour tous, afin de promouvoir la vie collective et surtout de faire vivre le lien social. Donc, quelques exemples, le soutien des associations sportives, aux investissements sportifs des communes, le chèque sport pour les collégiens, la création d'infrastructures sportives départementales,
le soutien à la lecture publique est une compétence obligatoire du département en matière de culture, aux associations culturelles, aux festivals, au patrimoine. Je salue ici également l'association qui s'occupe Fatih, voilà, je cherchais. Je salue le travail que vous avez effectué à Bazaïac, parce qu'il n'y a pas de petit patrimoine et de grand patrimoine, il y a une action volontaire pour sauver tout ce qui a fait notre tout ce qui fait notre culture et notre patrimoine. Je voulais aussi rappeler la promotion de la langue et de la culture. Rappelez que l'année 2023 a été une année phare pour la Dordogne, avec le passage de l'enfant masculin et féminin. Et rappelez que la flamme olympique en 2024 dans notre département, ce sera le 22 mai, et que cela va être une belle et grande fête pour faire vivre les valeurs de fraternité et d'amitié entre l'école. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire, pour vous parler du département et de sa proximité avec nos concitoyens en termes de solidarité territoriale. Donc ce que je voulais, pour terminer, bien sûr, vous souhaiter, vous réitérer mes voeux les plus sincères, vous dire que l'année 2024 sera une année olympique, sera une année sur ces valeurs-là, sera une année radieuse, je n'en doute pas, on fera tout pour qu'elle le soit, mais avant tout, je voudrais vous adresser des vœux les plus culturels, les plus chaleureux, les plus colorés, les plus musicaux, les plus... Alors, je m'en excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, parce qu'on arrive à la fin du mois de janvier, et ces vœux-là, je les ai adressés à moult communes, mais vous dire que c'est tout ce qui fait ce lien social, tout ce qui fait ce vivre ensemble, qui fait notre richesse, et je vous souhaite qu'il soit extrêmement présent, comme il l'est déjà, comme il l'a déjà été sur votre territoire et sur votre commune, mais toujours plus, pour que nous ayons des bons moments à passer ensemble. Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, madame la conseillère départementale. Alors, j'ai pas l'habitude de dire des choses quand les gens sont pas là. Je vais te dire ce que je vais développer comme ça. Autant sur les budgets du département, les difficultés, on va dans le même sens. Sur le 100% bio, on n'a pas la même analyse. Donc je me permettrai de le dire tout à l'heure. Voilà. Mais tout le monde le sait. Je l'ai écrit, je l'ai dit sur les tribunes, donc tout le monde le sait. Voilà. Tout le monde comprendra qu'on n'a pas la même analyse. Mais qu'on se retrouve sur beaucoup de... Sur beaucoup de dossiers, c'est exact. Messieurs les élus, les vice-présidents, mesdames et messieurs les responsables des administrations, la gendarmerie, mesdames et messieurs les responsables de la vie associative, qui est forte ici, mesdames et messieurs. Voilà, donc 2023 a été un peu difficile sur le secteur du grand terrassonné. Nous avons, nous aussi, eu un certain nombre de drames sociaux avec les papeteries qu'on a. Madame le maire du Jardin en sait quelque chose, mais l'ensemble des élus, puisque depuis les poteaux de Pérignac vont bien, au poteau de Borgard, d'Iac et même Terrasson et jusqu'ici. Hein, c'était une entreprise où il y avait des salariés un petit peu sur l'ensemble du territoire. Donc c'était une année difficile. Au niveau local, on vous dira ce qu'on essaye de faire pour rebondir. Au niveau national, on voit bien que c'est difficile, puisque dans le trajet, on écoutait un peu la radio, le Premier ministre. Il n'y a pas de chance, il a à ce moment-là. C'est une sacrée entrée en matière, et apparemment, les discours qu'il a fait, bon,
d'avancer un certain nombre de choses, mais apparemment ça n'a pas l'air de satisfaire tout le monde. Donc le monde agricole est en grande difficulté, on le sait, et beaucoup, dans beaucoup d'autres domaines, ça devient compliqué. Le département, c'est pour ça que j'ai dit quand même, quand j'ai dit quelque chose, autant avec donc Régine, je partage le fait, et c'est pas rien quand même, puisque le département, il y a une majorité, une opposition, de dire qui que ce soit qui dirige, ça serait compliqué. Donc, il n'y a pas d'attaque frontale face à la majorité départementale. On a les recettes qui baissent, celles de l'État. L'État n'a pas compensé toutes les dotations qu'il aurait dû face au transfert. La part, aujourd'hui, on va dépasser 100 millions, je ne sais pas si elle a dit, on va dépasser 100 millions, le montant de la part, ce qui prouve que dans notre département, avec une population âgée, l'État ne compense pas totalement. Il a compensé le jour du transfert. Et ça continue à augmenter, la dotation de l'État n'augmente pas. Aide à l'enfance, l'ASE, il y a de plus en plus d'enfants qui sont confiés au département. On va dépasser les 80 millions. Il y a 1700 gamins qui sont à la charge, c'est un problème de société, mais bon, c'est le département qui paye, etc., etc. Donc toute la partie sociale est en forte augmentation et avec pas totalement les transferts de l'État. Après les recettes, après le Covid, il y a beaucoup de gens, ils ont raison, qui sont venus habiter chez nous. Donc les droits de mutation ont énormément augmenté. Ils sont passés de 60 millions à plus de 90 millions. Et là, ils reviennent au montant qu'ils avaient avant. Donc d'un côté, plus 30 ou 25 ou 30 millions de dépenses, et de l'autre côté, 30 millions de recettes en moins. Donc c'est un constat. Et je le dis ouvertement, quel que soit ceux qui dirigeraient, ça s'adresserait à nous. Après, il y a peut-être certaines économies qui en sont temps qu'il fallait faire, et notamment Bénac est un vrai dossier sur lequel nous on s'est abstenu, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire ou pas. Et, avoir 30 millions, 35 millions qui est le coût pour terminer, on l'a voté, et même en conseil communautaire, j'ai pris le vote. Autant aller jusqu'au bout. Par contre, aujourd'hui, on a un projet avec pas mal d'incertitudes à 50 millions, donc c'est un petit peu compliqué, la position au niveau du département. On a voté pour, et on a accompagné la majorité sur ce dossier, quand on était à hauteur 35 millions, à 50, on dit que ça devient un peu plus compliqué. Voilà. Et comme j'entendais, et en ce moment, on ne peut pas ne pas être sensible aux problèmes agricoles. Alors être sensible, c'est bien, mais il faut des fois en tirer une certaine conclusion. Et qu'on défende la planète, qu'on défende les produits locaux. Je suis le premier à avoir fait à Tenon une épicerie paysanne à l'époque, et qu'on a subventionné, pour que ce soit les producteurs locaux qui vendent à l'épicerie paysanne. Pas me reprocher de ne pas l'avoir financé et l'avoir monté avec des agriculteurs. Que dans nos collèges, on prenne des produits locaux à 100%, je suis d'accord. Il faut arrêter de faire venir des produits de l'étranger. Par contre, imposer un 100% bio, ça se traduit par mes agriculteurs sur le collège de Tenon que je connais le mieux, que ce soit la Faille à Mout, que ce soit les Dupuis à Barse, ils ne peuvent plus livrer au collège. Donc c'est pour ça que, oui, pour le local, par contre, les certifications 100% bio, pas dans le contraire de ce qu'on a toujours dit, mais on est très réservé sur ce genre de choses et ça ne va pas dans le sens de ce qui est demandé aujourd'hui par les agriculteurs. Et je crois que ce n'est pas le moment de trop appuyer sur toutes les mesures de protection environnementale, mais sinon on va tous les mettre dans la rue. Voilà, j'en ai terminé sur ce petit... cette petite incidence, et tout ça pour vous dire qu'au national c'est compliqué, à l'international n'en parlons pas, on ne sait pas où on va, et au départemental c'est compliqué financièrement. Donc face à ça, la communauté de communes elle cherche à accompagner l'ensemble des collectivités à son niveau.
on essaye de co-gérer, de co-construire à la fois des dossiers d'importance territoriale, d'avoir un projet territorial. Donc le projet, c'est se rapprocher du citoyen, vraiment la proximité, pas devenir comme ce qu'on critique de l'État qui est très loin de nous, c'est les maisons France Service, trois maisons France Service, l'une à Terrasson, c'est la dernière, il y en a une à Hautefort et une à Tenon, où on a des agents, il y en a devant moi, qui sont dévoués, sont à votre disposition pour essayer de régler tous les problèmes de la vie quotidienne. Et on a en plus, il n'y en a qu'un seul en Dordogne, un camping-car qui se promène dans les 37 communes de notre territoire pour aussi répondre à toutes les questions et aider tout le monde. C'est la proximité et c'est aider la population. On l'aide aussi avec nos aides à domicile. C'est un service où il y a 100 agents, c'est plus de 100 000 heures d'aide à domicile, et c'est indispensable si on veut garder nos personnes âgées. Alors c'est un budget important. Et les aides à domicile n'ont pas une situation facile, c'est un boulot difficile, qui n'est pas hyper payé, bien qu'il ait été augmenté. Et on est très heureux de pouvoir avoir augmenté les salaires des aides à domicile. On a été les premiers, la communauté de communes, à acheter des véhicules. Le département nous a suivis par la suite. Mais ceci, entre le partage de repas et les aides à domicile, c'est 470 000 euros par an que la communauté de communes met pour équilibrer ce service qu'elle veut garder. C'est au niveau de l'habitat. Il y a toute la rénovation au niveau énergétique, l'accessibilité. Donc on a créé un service habitat. Donc, si vous avez des logements à rénover, venez à la communauté de communes. Et le vice-président en charge, il est là. Et c'est Daniel Barine qui s'occupe avec son service de ces dossiers. Donc tout le monde n'est pas traité de la même façon, puisqu'on vote 250 000 euros par an, qui potentialise les aides de l'ANA. Mais l'ANA s'adresse essentiellement aux gens modestes et très modestes. Donc si on a des revenus très élevés, on a moins d'aides que si on avait des revenus très bas. Par contre, tout le monde est aidé, accompagné dans le montage des dossiers, dans la recherche d'aides, qui sont plus ou moins grandes, et jusqu'à la finition des travaux. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, ce service de l'habitat qui se conforte et qui commence à fonctionner à plein, puisqu'à la dernière commission, c'est 29 dossiers qui ont été acceptés, adoptés. Voilà des grandes opérations du territoire. L'urbanisme, alors je vais vous dire quelques mots, je vais essayer de ne pas être trop long, mais là aussi on se bagarre contre l'État. J'espère qu'on va trouver un consensus et qu'on trouvera une solution où on s'en sortira chacun en faisant des compromis dans l'intérêt de notre territoire. On veut revenir encore un peu à l'écologie. On veut protéger notre planète. C'est indispensable. On voit bien les problèmes du climat, les problèmes de changement climatique. Mais il faut quand même faire attention. On perd 500 gamins par an dans nos écoles. Alors si on continue, plus de gamins dans les écoles, suppression, où on vient, il y a une place qui risque d'être supprimée, à Tenon, il y en a eu deux de supprimer, etc., etc. Donc, il faut qu'on amène de la population. Si on n'amène pas de la population, tous les services publics vont disparaître, et on n'arrivera pas à compenser avec nos maisons de France Service, avec nos services habitat, on ne pourra pas sans arrêt compenser ce que l'État ne finance plus. Donc, on nous demande de ne pas consommer en foncier plus de la moitié de ce qu'on a consommé entre 2010 et 2021 pour la période 2021-2031. Nous, on a proposé de diminuer par 3 ce qu'on avait consommé ces 10 dernières années. Et malgré ça, et on diminue par 6 les zones constructibles. Malgré ça, ça ne suffit pas. Donc sur l'urbanisme, ça va être compliqué. Et lorsqu'il y a eu des partages, des donations partage et des successions, les enfants qui auront hérité
de terrain constructible. Quand je vais aller leur expliquer que ben, le terrain il était mais qu'il n'est plus, hein, je ne suis pas sûr qu'on accueille avec le sourire. Et si on diminue par 6 les terrains, la superficie des terrains constructibles, obligatoirement, il y aura beaucoup de terrains qui seront supprimés. Après, ça, c'est pour les maisons. Pour les zones d'activité, c'est pareil. Suite aux papeteries, l'État a lancé deux dispositifs. Il y en a un qui s'appelle Rebond industriel. L'État a mis 2 millions dans ce fonds. La région, 1 million. Nous, la communauté de communes, on n'a pas mis énormément. Mais on a mis un petit peu pour être à la table, et on y était cette semaine, au comité des financeurs. On a mis 50 000 euros, ce qui nous permet de voir tous les dossiers. Et sur ces donc 2 et 3, ces 3 millions, il y a un bureau d'études qui est Ernst & Young qui recense les projets de développement du territoire. Donc il a recensé pour 68 millions d'investissements potentiels qui pourraient créer plus de 250 emplois. Voilà, donc on espère rebondir suite à ce problème. Et le groupe d'État, dans le plan de revitalisation, a mis 1,5 million, où une partie servira à l'investissement et une autre partie à donner des aides à la création d'emplois. Vous voyez, on travaille pour notre territoire et on espère qu'au-delà des drames sociaux et des emplois qu'il faut retrouver pour les gens licenciés, ben, ça va créer un nouveau dynamisme. Alors ça, c'est de l'espoir. On a des touches importantes. On a une touche pour une grosse boîte en aéronautique qui pourrait venir en Ardennes. Plus qu'une touche sur la zone d'activité de Pazaillac, La Feuillade, on a une entreprise qui va venir, qui en reprend une autre et qui va créer une trentaine d'emplois. Voilà, donc ça c'est des faits, c'est des réalisations sont déjà pratiquement avancées. À côté de TRS, à l'opération qui est sans emploi, à côté de Mondial Relais qui va venir de Brive avec une trentaine d'emplois et qui va passer à 70 dès qu'ils auront mécanisé le traitement des colis. Donc on se bat sur tous ces dossiers pour pouvoir garder les emplois. Mais il faut des zones d'activité. Et dans notre PADD, je crois que c'est 60 hectares qu'on avait prévu. Alors 60 hectares sur 10 ans, c'est pas énorme. Sur Terrasson, première adjointe, on a acheté 4 hectares à la commune et 7 à des propriétaires privés. On a acheté 11 hectares. Ces 11 hectares vont être compris dans les 60. Tenant, on a un problème en ce moment avec l'archéologie, parce que là aussi, les normes, on va nous faire des fouilles, des diagnostics, pour voir si on ne trouve pas un vase ancien qui risque de tout bloquer. Donc ça risque de nous bloquer les 11 hectares, on a acheté 4, et il y en avait 7 en comparé. Donc 11 sur Terrasson, 11 sur Tenon, on est déjà à 22, on ne pourrait plus faire la zone d'extension de Rousset qu'on devait voir. Vous voyez, c'est pas qu'on veut gaspiller des terrains et tout imperméabiliser, mettre des entreprises partout. Si on n'amène pas des maisons, si on n'amène pas des emplois, nos territoires, ben, ils crèvent. Voilà quel est le rôle de la communauté de communes, accompagner le développement des territoires sur un projet. Et puis après, il y a toute la vie associative, culturelle, que l'on accompagne. Voilà, donc merci aux élus. On travaille ensemble. Merci au vice-président et à tout le monde. Et puis vous, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Parce qu'il ne faut pas perdre d'espoir, c'est un peu difficile. On le voit bien en ce moment, mais si on se bat, je pense qu'il y a encore de l'espoir pour les territoires ruraux. Puisqu'on voit les gens qui veulent venir chez nous, les gens du Sud, ils en ont marre de la chaleur dans le Sud et du monde, et il y a beaucoup de demandes de gens du Sud qui veulent venir s'installer chez nous. Donc il faut continuer à les accueillir, et pour les accueillir, il faut qu'on se batte pour avoir des terrains constructibles. Bonne année à tout le monde. Voilà pourquoi je n'ai pas développé, le président est très fort là-dessus, il connaît son sujet par cœur. Mais s'il n'était pas venu, j'aurais été obligé de le faire. Moins bien que lui, certes, mais j'aurais fait. Je remercie les jeunes conseillers.
d'être resté quand même pendant une heure. Oui. Okay. J'ai oublié de citer le nom des oiseaux. Peut-être tout le monde connaît, vous n'avez pas d'ailleurs. Comme vous avez là. Itinérance. Enfin, le président de la aussi, qui est en plus sérieux.